Ce jeu est incroyable, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur Starfield. Donc là je me retrouve à sortir de prison parce que... Salut. Donc, salut. Dans une autre partie, donc j'étais sur une planète où j'allais repartir de la planète. Je suis passé dans une colonie de minage. De mineurs que j'ai bien voulu raccompagner sur une planète et entre temps donc en repartant en voyage rapide sur mon vaisseau il m'est arrivé une chose rocambolesque, un bug. Alors j'ai eu une pluie d'aliens morts et de personnel d'équipage mort qui est tombé du ciel. Donc ce qu'il y a, c'est que voilà, alors bon, c'est un bug, bon, ça m'a pas bloqué, mais j'ai profité de l'aubaine pour récupérer tout ce qui est armes, munitions, équipement. Et je suis tombé, en fin de compte, j'ai ramassé une œuvre d'art volée. Et bon voilà, une fois que j'ai fini, j'ai redécollé, et bien sûr j'ai continué la mission qui était prédéfinie, c'est-à-dire ramener les mineurs sur une planète. Et ce qu'il y a, c'est que je me suis téléporté en arrivant sur la planète, bien sûr. J'ai eu un scan de l'UC. Et bien sûr, ils ont détecté l'œuvre d'art volée. Donc, du coup, je me suis retrouvé en prison. Alors, ça, voilà, c'est voilà. Mais j'avais pensé à ramener l'œuvre d'art à mon avant-poste. Pour le stocker sur l'avant-poste, ça je savais, et puis j'y ai plus pensé, il y a tellement de choses qui arrivent toutes les minutes, on va dire, que voilà, donc je me retrouve dans ce cas-là, donc j'étais en prison, et en fin de compte, le colonel du vaisseau a négocié avec moi, donc il faut que je m'infiltre parmi la flotte écarlate, donc c'est parti. Alors là, je viens de sortir de prison. Et du coup, je dois aller voir c'est le colonel ou le commandant. Ok, bonjour. Je vais passer au mess la semaine prochaine. Donc, je suis dans un vaisseau. Vous voyez tous ces trucs sur la poitrine du commandant? Il a dû en voir des choses. Et donc c'est le commandant, c'est pas le colonel. Excusez-moi. Il est où le mess? Ah mais non. Oui. J'ai pas verrouillé là. Non, il est là-bas. Ah d'accord. Bonjour. Mais bonjour, salut. C'est lui. Ah, vous voilà. Excellent. Puisque les termes de notre coopération sont établis, je vous présente votre nouvelle demeure. Voici le centre opérationnel de vigilance, le centre névralgique du 6DEF. Dédié à la destruction de la flotte écarlate. C'est tout simple, il n'y en aura pas. Nous surveillerons vos activités de vigilance et tenterons de rester à proximité. Quand vous penserez avoir réuni suffisamment de preuves et que votre mission sera terminée, revenez ici pour un briefing. Au-delà de ça, vous ne pouvez que compter sur vous-même. Bien. Nous avons peu de temps, donc vous allez m'écouter attentivement. Pendant votre infiltration, vous devrez rassembler autant de preuves que possible. Si vous trouvez des dossiers suspects ou incriminants, vous me les apportez immédiatement. C'est compris? Oui, peut-être. Non, c'est vraiment pas le bon moment pour parler de ma vie privée. Il y a des choses bien plus importantes à faire dans l'immédiat. Pour l'instant, restons-en là et concentrons-nous sur la mission. Mais peut-être que nous pourrions en parler une autre fois, d'accord? Nous serons là si besoin. Si vous avez des questions, c'est bon. Oui, quoi? Excusez-moi. Ok. Bon, mais c'est parti. Il a un casque.
What the fuck? J'ai toujours mes mineurs. J'ai plus personne. C'est quoi cette arnaque? Ah si, ils sont tous là. Faut que je les ramène. Bazar à revendre. Ah ouais. Je vais aller déposer mes mineurs, ça me clôturera la mission. Vous entrez dans l'espace de l'Union coloniale. Maintenez le cap et préparez-vous à être scanné. Et je crois qu'on a terminé. Bienvenue à nouveau départ. Ça y est, j'ai fait. Bienvenue à nouveau départ. Merci de vous rendre dans le bâtiment au bout du chemin, puis de descendre dans la colonie. Faites attention et profitez de votre séjour. Ah, mais c'est vrai, j'y ai jamais mis les pieds dans ce truc là. Bon, allez. Viens. Pardon. Nouveau départ, j'y suis jamais allé. Ah si, non. Ramener des... Bonjour. Cherche un magasin ici. On est pris très au sérieux ici. On ne badine pas avec l'histoire. La vie est simple ici. Essayez de ne pas la compliquer. Alors... J'irai bien à Bébrun pour déguster les bons petits plats préparés.
Orange. Salut. Ça fait toujours plaisir de voir une nouvelle tête. Certains d'entre nous sont contents de leur vie ici. Pas besoin de touristes qui viennent nous distraire avec leur voyage ridicule. Ouais, d'accord. Cette colonie est bien plus petite que je le pensais. Ça, c'est une taverne. Un marchand. Je vous préviens, si vous comptez à l'eau Chunk, Luthor demande de l'aide à tous les propriétaires de vaisseaux. Voilà, Storm, c'est... Voilà, c'est le fils de... C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Il en est une autre, de vie. Je cherche toujours à acquérir des produits extérieurs. Ah, ça tombe. Bonjour et bienvenue dans ma boutique. C'est la première fois que vous visitez Nouveau Départ. Portez-vous bien. Ouais, c'est ça, dans une... Je pourrais pas vivre ici. Allez, oui, oui, mais on repart. Thank you.
Bon, mais on est parti pour réaliser cette mission pour Lucé, pour dédouaner de. Pour vendre Bavor Octaï, je m'occupe. Ah, super. Tiens, c'est marrant. Je viens tout juste de me rappeler qui pourrait te soulager de ce truc. Un de mes potes est avec la flotte écarlate. Il se fait appeler Adler Kemp. S'il n'est pas déjà bourré dans une poubelle, tu te trouveras en train de noyer ses derniers neurones à la lance brisée. Hé, hey, c'était un plaisir de faire affaire avec toi. Ah oui. Merci pour tout. Mais vous en faites pas,
J'emprunterai plus jamais rien, Al. Du grand chef. Pars pour Europe. Tu la retrouveras là-bas. Je te conseille de bien écouter tout ce qu'elle te racontera. Oh, et je me suis occupé de ta cargaison d'Aurore. Dépense pas tout ton fric au même endroit. Ah ouais, il y a une croissant. On va sur Europa. Je connais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a là?
pensé de votre présence ici. Si vous aviez voulu nous tuer, vous auriez pu faire ça de votre vaisseau. Si vous aviez voulu notre cargaison, nous aurions pu l'abandonner. Je suppose que je ferais mieux de la fermer et vous laisser parler. Je ne compte pas le faire. Pas avant que vous ne révéliez vos intentions. Pour vous, je serai Austin Rick. Si vous le voulez, il va d'abord falloir me tuer. Et si vous voulez bien nous dire de quoi il s'agit... Vous savez vraiment pas lequel d'entre nous est Rick, pas vrai? Et ça n'a pas l'air de vous déranger. Ce qui me fait penser que vous voulez vraiment le sauver. Bon, j'ai une idée. Nous pouvons effacer son nom du manifeste, faire croire qu'il n'est jamais monté à bord. Ensuite, une fois amarré, nous le laisserons à bord et l'emmènerons vers un autre port. Est-ce que ça vous va, Austin? Est-ce vraiment le choix? Il semblerait que non. Bien, marché conclu. Vous retournez sur votre vaisseau et nous prétendrons que Rake n'a jamais été sur le nôtre. Et si jamais vos commanditaires remettent votre parole en doute, tenez. Nous avions une caisse de matériel en plus au cas où l'une serait endommagée. Ça devrait leur prouver que vous n'étiez pas là pour négocier.
Bah, va falloir t'y habituer. Maintenant que tu connais ton sort en cas de problème, il est temps de voir ce pourquoi tu as signé. Je vais te filer les coordonnées de notre quartier général dans le système Clix. Les spatiaires l'appellent la clé. La flotte l'appelle son foyer. Va là-bas dès que tu pourras. Ne me fais pas attendre. On met des coups. D'accord. Bon, pas trop d'action. Bon, j'aurais pu le tuer, mais... comme il faut faire la part des choses. Ah ben parce que... Nous avons suivi votre rendez-vous avec Naïva Mora. Le dossier indique qu'elle est seconde. Se la mettre dans la poche, c'est se faire une place dans la flotte écarlate. Excellent. Si vous rejoignez la clé, j'en déduis que vous allez rencontrer Delgado. Delgado est le chef de la flotte écarlate. J'ai son profil là, avec quelques informations sur son passé. Vous devez connaître la moindre habitude de chaque membre de la flotte, mais surtout de Delgado. Quoi qu'il en soit, maintenant que vous êtes avec la flotte, vous opérez sans nous. Nous allons vous suivre, mais en gardant une certaine distance. Surtout pendant que vous serez sur la clé. Cela nous donnera aussi le temps de renforcer nos défenses, au cas où il faille affronter la flotte à l'avenir. À ce sujet, monsieur, devons-nous lancer l'amélioration de nos boucliers ? Immédiatement, lieutenant. Informez les ingénieurs et passez l'information à l'équipage. J'espère que votre intégration à la flotte a fait disparaître vos derniers doutes concernant votre mission. Vous avez bien augmenté nos chances de réussite. Continuez comme ça. Nous attendrons vos rapports. Rompez. Ouais, c'est très sympa, dis donc. Comment ça va, l'entraînement ? Quel entraînement ? On prend tout sur le tas. C'est vrai. J'ai oublié. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, c'est la théorie. Voilà, si vous. Alors, je sais pas si tout le monde a fait ça en prison. Et aucune perte humaine. Beau travail. Voilà, j'ai fini la première mission qui m'est allouée, donc je pense que voilà, du coup il y en a quand même pas mal en suivant, donc ben, je vais suivre ce petit fil durant mes vidéos, je pense. Bon, après je vais essayer de faire un peu plus d'action, hein, j'ai quand même le droit de tuer, donc voilà, j'aurai un peu plus d'action. Et puis ouais, ça a l'air d'être intéressant, donc pour mes vidéos je pense que je vais suivre ce fil conducteur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner, et merci à tous ceux qui sont abonnés et qui commentent des vidéos, c'est génial. Allez, salut !